Madame la Présidente, chers collègues, Occitanie, ça tourne. Quel beau script, en effet. Réjouissons-nous, chers collègues, que nos investissements passés, 50 millions sur 5 ans, soient aujourd'hui reconnus et portent leurs fruits. Moteur, donc, dans les ICC. L'Occitanie reconnue comme seconde région française avec 11 lauréats sur 68, dans le cadre de l'appel à projet Grande Fabrique de l'Image. Moteur de notre économie régionale avec 5000 emplois supplémentaires attendus et une visibilité à l'international renforcée. Je veux donc ici compléter les propos de mes collègues sur l'attractivité, la création et même la poésie, cher Samuel, sur ce rapport important en mettant l'accent sur le volet formation que nous proposons de voter aujourd'hui. Volet essentiel pour gagner la guerre des talents qui fait déjà rage dans ce secteur et notamment dans la partie jeux vidéo et effets spéciaux pour lequel nos étudiants sont chassés dès leur sortie d'école à l'international. La technologie et l'innovation sont bien évidemment au cœur de ce secteur et nous devons capitaliser sur nos formations d'excellence dans les écoles ou universités sur l'ensemble du territoire, que ce soit à Toulouse et sur ses sites de Castres et Montauban, Montpellier ou Perpignan par exemple, pour accompagner le développement de la filière des industries culturelles et créatives. Nous vous proposons de gagner cette guerre des talents en mettant en adéquation les besoins des entreprises du secteur et les organismes de formation, et plus globalement, en rapprochant le monde de l'entreprise, de la création et de la formation. C'est ainsi que nous développerons notre écosystème et permettrons à des jeunes de notre territoire, y compris ceux éloignés de l'emploi, de se former et de travailler ici. Notons le succès déjà reconnu de nos organismes de formation, certains d'envergure internationale qui sont des références au niveau mondial, notamment dans les effets spéciaux, comme l'École supérieure des métiers artistiques, qui est classée 6e au niveau mondial, ou encore Artefix à Montpellier, qui est classée 12e. Je citerai aussi l'Université de Montpellier, pour laquelle nous sommes en attente du résultat de l'appel à projet PIA4 Excellence, où l'Université Paul-Valéry est en lice avec le projet Miranda. Ce serait alors la troisième université qui serait lauréate du PIA4 Excellence en région, après l'UM et son projet retenu Exposome, et après celui de l'Université fédérale Toulouse avec le projet TIRIS. Citons aussi l'IDEM dans les PO, dont le projet a été retenu dans la Grande Fabrique de l'Image pour le développement de studios audiovisuels, avec un fort volet sur l'apprentissage et un campus à Barcelone. Innover sera clé pour cette filière. C'est pourquoi nous souhaitons aussi financer des expérimentations pour répondre au plus près aux besoins évolutifs de ce secteur et former aussi des jeunes en difficulté, comme avec le projet DEFIP, projet d'insertion professionnelle pour 30 jeunes dans les métiers du cinéma, et ce, dès 2023, grâce à notre dispositif Innove Emploi Expérimentation. Former les talents de demain, c'est bien ce que nous vous proposons de voter en doublant notre budget sur ce secteur et en investissant d'ici 2028 20 millions sur la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Il s'agit globalement de promouvoir l'attractivité de la filière et de développer des formations, et en particulier dans les villes d'équilibre, afin de lutter contre les déterminismes sociaux et de permettre à tous d'accéder à ces métiers de demain. C'est pour eux, pour l'emploi sur notre territoire, pour notre rayonnement international, que nous voterons ce rapport, Madame la Présidente, et que je vous demande à tous, chers collègues, de le soutenir. Merci.